Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Jeux du Signe pour une nouvelle vidéo sur les fourmis ou Empire of the Ants. Nous sommes donc au troisième épisode. Et l'épisode précédent, nous avons été envoyés à Taiyukan pour venir prêter main forte, à la colonie. Colonie ou le nid. Enfin, pas une ruche, plus un nid, oui. Parce qu'il y a une inondation et donc c'est la catastrophe et donc nous sommes venus ici pour aider notre colonie sœur qui fait partie de l'Empire, l'Empire des fourmis. Donc ce sont nos sœurs, nos cousines. Toi tu n'es pas du coin, laisse-moi voir. Ah, Belokan, tu es ici pour voir notre reine? Puis les colonies de fourmis celles avec la nourriture, elles te conduiront jusqu'à Tayuni, notre reine adorée. Rien à signaler? Non, tout le monde est très occupé et Tayuni doit attendre. Elle sera heureuse d'apprendre que Belokan ne l'a pas oublié. Au sujet de l'inondation, une idée de son origine. Quel intérêt sans trois? Ma cité se meurt. Ma priorité est de déplacer plus de sœurs et d'œufs possible loin d'ici. Puis-je te parler de l'odeur que tu as sur toi? Cela vient d'une expédition dans la forêt, une anomalie. Feuilles sèches collées par une résine extraordinaire et un parfum de la vieille mousse et un zeste métallique. Ce parfum ne me quitte plus et je le porte comme une preuve de mon courage. Merci de ton aide. Ok. Donc là, je sais ce que... Je pense savoir quelle mission on va avoir. Ça devrait être la deuxième mission qu'on avait dans la démo. Donc je pense que ça devrait aller. Ça va être une première grande mission, en fait. On aura plein de zones à explorer et attaquer. Normalement, on va attaquer encore des termites. Tayuni. Qui es-tu? Approche-toi, laisse-moi te sentir. Belokan a envoyé de l'aide? Que ta mère, Belokyu-Kyuni, soit loué. La situation est critique, l'inondation ne faiblit pas. Aide les sœurs de Taiyukan avant que la cité soit détruite. Une idée de l'origine de l'inondation? Nous avons vécu de nombreuses saisons ici, cette inondation est une première. Il est trop tard pour Taiyukan. Enquêter serait une perte de temps. Notre priorité est de sauver les ressources de la cité et tous mes enfants. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter l'inondation? Arrêter l'inondation, as-tu oublié que l'eau est notre pire ennemi? Jamais rassasiée, elle creuse, elle rampe, elle s'infiltre. Non, non, Taiyukan est perdu. Une exode est notre seule chance. Je vais sauver vos filles, reine. Hop, alors là on a plein... Ah d'accord, là on a plein de missions. Je vais donc aller discuter avec tout le monde, avant, et puis on prendra les missions une à une. Mais du coup oui, on n'aura pas forcément la mission que j'ai qui est faisable dans la démo. Oh. Non, ok, par ici. Parce qu'on a plusieurs missions à faire pour aider. Là, il y en a une. Les quatre dernières doivent être dehors. Non, ici. Plus que trois. Il y a quelqu'un à aller voir à l'intérieur. Plus qu'une, normalement. Ok, il n'y en a pas. Ok, il y en a peut-être encore une à l'intérieur alors. Allons voir celle qui doit nous parler. Mon nom est 151e. Laisse-moi toucher tes antennes. Oh, que d'histoire, que d'aventure. Je suis sûr que tu collectionnes tout, n'est-ce pas? Comment ça, je collectionne tout? Il y a tant à collectionner dans le monde. Une feuille, une pierre, une boulette de miella. Parfois, j'aimerais collectionner tout, absolument tout. Tu te sens bien? Je suis différente, je sais, je me sens seule. J'ai une passion que personne ne comprend. Je collectionne des objets, des cadeaux pour ma reine, des souvenirs. Pourquoi vouloir tout posséder? Bonne question, je ne sais pas exactement. Si seulement ma reine m'autorisait à avoir une pièce pour moi, pour tout collecter. Donc là...
J'essaie de voir, mais je ne vois pas. Il n'y en a pas. Enfin, la dernière phéromone n'est pas à l'intérieur. Elle est peut-être en dessous. Et avant de devoir faire toutes ces histoires... Franchement, je la vois pas. Hein. Ça m'aurait paru logique d'en mettre une dans ce côté-ci. Apparemment, non. En vrai, si c'est dans le goulot, c'est pas gentil. C'est pas... Non, elle est pas dans le goulot. Elle est là, trouvée. Structure transparente, origine inconnue, dure, dangereux. Ok, on saute. Il nous faut... On a eu le dialogue là, il y en a un par ici. Cloporte. Est-ce qu'il serait pas sous la pierre, le cloporte? Probablement que si. Ah, là il est. Il y en a une. Alors, que vois-tu? 1411. Puis nouvelle par ici. Bienvenue et n'oublie jamais, reste loin des termites. Pourquoi détestes-tu les termites? Parce qu'il n'y a... Qu'est-ce qu'il n'y a pas à détester? D'après les légendes, ils furent nos alliés dans le passé. Maintenant que notre cité est en train de mourir, ils nous envahissent. Ne leur fais jamais confiance. Que peux-tu me dire sur les termites? Rien, je préfère ne pas parler de ces créatures. Ils ne mangent pas de viande. Pourquoi? C'est délicieux. Une fois, un fruit étrange est tombé sur le sol, entièrement vert. Ils ont mangé ces serres acides et ont tous péri. Ce fut le début de la guerre du fruit vert. À propos de l'inondation. Quoi, le barrage date d'avant même la Fédération. Un rapport place des fourmis autour du barrage avant sa destruction. Mais celle qui a fait son rapport n'a plus sa tête, un accident de coccinelle. Notre priorité, sauver Tayuken et sauver notre reine. Ok, donc là. On a eu lui. Hop, allez, on saute. Il y en avait 4, 1, 2. Non, il devait y en avoir que 3, alors je sais pas. Et bonjour, toi. Je peux pas parler, pas le temps. Regarde autour de toi, personne n'a le temps. Comment est Tayuni? Occupée comme moi, comme nous toutes. C'est notre reine et leader, je la suivrai jusqu'au bout du monde. À propos de l'inondation, c'est pas, je m'en fiche, j'en ai des œufs à sauver. Priorité numéro 1, les œufs. On va aller voir là-bas. Et donc on a 4 quêtes pour sauver... Des gens ici.
Non, je reviendrai te voir plus tard. Oh. Salut, Tayukan est un endroit tellement charmant. Je me devais de venir et d'aider après la calamité qui s'est abattue ici. Ok, alors, bah, je propose, et du coup, bah, vous ne pouvez pas m'aider à choisir. On va prendre celle-ci, hein, celle sur le tronc d'arbre. Parler avec 230 196, une porte de sortie. Une sœur de Belokan, quand le maire nous dit que vous étiez en chemin, une vague de joie a parcouru la cité. Mais je m'égare, nous avons besoin de votre aide pour ouvrir une voie d'évacuation en plein territoire termite. Une voie d'évacuation, quel danger. Les termites ont de nombreux avant-postes le long de la route. Nous avons hésité avec d'autres voies, mais celle-ci nous semble plus sûre. Moyen de négocier une paix avec les termites. Par le passé, nous avons eu des packs difficiles, mais l'inondation a tout balayé. Ils sont devenus agressifs et difficiles. Ok. Nous avons besoin de cette voie pour vous nous devons protéger mes sœurs, peu importe quel moyen. Oui, ben, ok. Des avant-postes, passe un seul, en très bon état, peut-être en renforcement militaire. Je pars en mission. Donc ça, c'est bien la mission qui avait été faite dans dans la démo. En tout cas, il me semble. C'était vraiment ça, il fallait créer le chemin à travers le territoire termite. Et si je regarde, ça m'a l'air d'être ça. Alors, interagir. Alerte d'activité, éclaireuse. C'est quoi ça? Augmente votre endurance maximum. Action des légions. Ouais. Très bien, on va tout prendre. Ici, ça c'est... Phéromone de vitesse, de rage, sport bouclier, appel de renfort, on s'en moque. Et si je peux pas... Ok. On va commencer par... Non, venez plus ici. À l'attaque, hein, pas le choix. Et le vrai problème, pour moi, le gros problème du jeu, c'est pas la nourriture, c'est le bois. Enfin, l'icône pomme de pin, c'est vraiment l'élément compliqué à avoir. Parce que la nourriture, ça s'accumule. Interagir. Défense. Je peux rien mettre en défense. On doit aller chercher du matos, alors. Attendant que le bois s'accumule. À l'attaque. Une fois que le bois sera accumulé, on pourra faire quelque chose ici, avoir une deuxième légion. Après, je pense que ce qu'on peut faire dans cette zone-ci, c'est ne pas s'occuper de ça. C'est vraiment ne pas s'occuper des défenses. Donc si je viens ici interagir, légion, j'aimerais une légion d'artilleuses. Économie. Ah, je peux demander ça. Et en défense, on peut rien demander. Pendant que ça se passe ici, on ne peut rien faire de toute façon. Nous, on doit explorer, découvrir les nids, découvrir les sources de nourriture, etc. C'est bon, ça a été fait. Et ça m'a permis... Alors, vous, venez ici. Et là-bas, je vais mettre une production. Hop, interagir. Ici, je peux pas la... C'est 40. Il faut attendre. Et ça, c'est quoi? Agrandissement du stockage. On va éviter d'utiliser le bois qui nous manque.
On est à 38. Très bien. Moi, mon objectif maintenant. Donc à gauche, on voit, on a des quêtes. C'est vrai, construction. Oui, ça on sait. Donc on a sylviculture. Donc ça va faire du bois. Donc on a une plus grande production de bois et ça c'est une bonne nouvelle. Moi, mon objectif, ça va être ici de faire une défense. La défense, c'est 60. Ici, je ne peux rien faire. Là, je vais pas le faire. Là, on l'a déjà. Et ici, on a déjà. Donc, il reste que les défenses où on peut interagir. Approchez-vous pendant que je vais explorer. Donc, on sait qu'on a un nid. Ici. Et là on voit c'est les limites de la map. Donc vraiment il y a 3 nids dans cette première zone. Et après on doit aller dans la deuxième, dans la troisième, etc. Là, à partir de la troisième zone, ça devient plus complexe. Parce qu'ici il n'y a pas d'attaque. À partir de la troisième, il lance la contre-offensive. À l'attaque. C'est ça, très bien. Envoyer des renforts. En fait, le nid au milieu, on va même pas construire de défense là-bas. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de construire des stockages. Je vais aller le faire au milieu. Une zone de stockage. Parce que là, actuellement, c'est 150 les limites. Et je pense qu'avec la zone de stockage, c'est plus 100. Hop, ni capturé. Voilà, une fois que ce sera construit, on devrait avoir... Voilà, on a plus 100 sur le nid, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, interagir. Là, je peux pas faire ça. On va attendre. Sylviculture. Très bien, ça, il n'y a pour le moment rien qu'on puisse faire. Ici non plus. Là, en vrai, on va peut-être prendre celui-ci. Sylviculture construite, très bien. Et là, il faut que je choisisse. Maintenant, on a les pucerons. Mais je vais prendre une deuxième artilleuse ou une ouvrière, une autre guerrière. J'hésite. J'hésite entre artilleuse ou guerrière. Je vais prendre une guerrière. Et ici, si je regarde, c'est pas ici, hein, le labo à mon avis. C'est pas ici non plus, ça doit être là-dedans. Non, ça doit être là-dedans. Laboratoire chimique, 80, 80 et 2. Pas assez de chambres disponibles. Et c'est probablement sur le troisième alors qu'on va devoir... En défense ici. Artilleuse, là c'est 60. Un autre nid. Ok, alors toi tu vas venir ici. Tac.
Et il me semble que la limite, dans un premier temps, ce sera 5 légions. Est-ce que je ferais pas bien de... Ouais, je vais tenter... Non, c'est 80, de toute façon. Donc, tant que j'ai pas les ressources, ça ne sert à rien. Attaquer. Capturé, très bien, on va venir comme avant, venir faire une ferme comme ça. On va faire une deuxième unité d'artilleuse. On peut faire le labo chimique ici. Il faut juste des ressources. Pendant que vous vous préparez, 56, on n'a pas la nourriture nécessaire. Moi je vais... Venez par ici. Et là on a de la nourriture. Ouais. On verra, on fera peut-être venir une unité d'ouvrière. Et c'est ici que j'ai testé pour la première fois les effets de l'eau. Tac. Capturer, c'est très bien, on va arriver juste après. On a trouvé deux éléments importants. Donc un nid et une réserve de nourriture. J'ai utilisé toute ma réserve de saut. Donc là, on va peut-être... Ah, peut-être. Je vais voir. On devrait essayer. Est-ce que tu peux faire récolter de la nourriture? On va voir si elles peuvent. Ça va nous arranger un peu. Interagir. Qu'elles peuvent. J'ai l'impression qu'elles peuvent. Ok. Interagir. J'ai encore faire. Même si on en a beaucoup. Ça. Pouvoir. Non. Attention, non. Ça, non. Là, il manque juste la nourriture. Non, ça a pas l'air de... Très bien. Ok, et là je peux faire la chambre, enfin le laboratoire chimique.
pour leur dire qu'on va devoir faire évoluer chacune des espèces dès que ce sera dispo. Et on va commencer par la nourriture. Hein. Ah, quoique le nid en premier. Alors, tout le monde en position. À l'attaque. Chargé. Laboratoire construit. Donc maintenant, je vais devoir améliorer toutes mes fourmis. C'est-à-dire faire le tour de tout ce qu'on a déjà. Mais vu que ça a demandé beaucoup de nourriture... Ici par exemple on va le transformer en IA nourriture je pense hein. Interagir donc production ferme à champi agrandissement ici c'est quoi chambre de récup augmente le nombre de légions de 1 ok ici je peux faire quoi traîtresse. Non. Défense, on ne fait rien. Ici, on pourrait en faire. Hop, vous allez vous mettre ici. Non. Même ici. On va essayer de descendre là. Non, restez ici. Très bien. Hop, ici. Hop, et moi maintenant je vais faire le tour et améliorer toutes mes légions au niveau 2. Et éventuellement en cinquième, construire un... Ah, d'accord, oui. Une légion de puceron parce que ça fait partie de mes missions. Et une légion de super prédateur. Alors ici, interagir. T'es quoi sur celle-ci ? Hop, ah bah d'office oui, je peux les améliorer. Ici, je peux construire cartographe vétérane, très bien. Donc ça c'est fait. Chambre de récup, on va pas la faire. Donc là, nos légions vont disparaître. Hein, donc. Oh, wow, ça c'est cool aussi, on voit qui possède les territoires. Interagir, tac. Par exemple ici, je pourrais déjà construire
Réserve de bave, artilleuse vétérane de nid. On va juste faire ça. Barrière en bois construite. C'est joli les barrières en bois, c'est une belle défense. Mais sur les suivants, c'est pour ça que j'économise aussi, que j'en mets pas trop. Sur les suivants, ça sert pas trop. Ici, tac. Bonjour ici. Interagir, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Phéromone de vitesse, de rage, sport bouclier, non. On va agrandir le stockage. Et on va améliorer. Artilleuse détruite, logique. Tac. Ici, on a besoin d'une légende super prédateur. Donc tac. Ah, j'ai... Je peux construire des pucerons de soutien. Pas assez de chambres. On va aller voir au dernier. Si je peux faire les super prédateurs sur le dernier. 24 pour la première légion. Dans une minute, on a la première. Ok, dans 3 minutes on a... Ok, dans 3 minutes on a tout, ça nous permet... Ici, alors... Ouvrière vétérane, artilleuse... Les super prédateurs... C'est 3 chambres. Ok, ben je peux pas pour le moment. Donc je vais me rapprocher... de celle-ci et je vais faire ma puce de soutien. Agir. Guerrière. Super prédateur. Je veux vérifier que le soutien. Voilà, très bien. Le soutien, ça donne plus de santé, je pense. Donc là, on va. Toi ici. Et là, il faut que je trouve le moyen. Est-ce qu'on va devoir traverser? Ben oui, ça nous tue. On peut pas. Il faut peut-être que je fasse tout ce qui est demandé. Ok, les 4 légions sont améliorées. Mon avis, c'est ça, il faut que je fasse tout. Donc pour les super prédateurs, je vais devoir aller à la dernière et vider une chambre. Interagir. Là, je peux tout faire. Sauf... les super prédateurs, je ne peux pas. On n'a pas mis de défense. C'est quoi ça? C'était multitude. Ça, je dois le garder. On va supprimer ça. Et là, j'ai droit au super prédateur. J'ai droit au super prédateur. Super prédateurs qui sont des armées de gros scarabées qui font peur.
Alors là, 110, on a pile ce qu'il faut. Ok, et là, ça va s'ouvrir, c'est ça? Parce que... Justement, je... Ah, ça... Oh, très bien. On va attendre que tout le monde soit là. Très bien, c'est vrai que... Il faut tout faire. Ok, là on est vraiment dans leur zone. Alors, je vais demander à toi de venir ici, à toi de venir ici, toi là, toi là, toi tu restes en arrière, et toi tu viens là. Donc nos armées de pucerons et notre armée de gros scarabées qui font peur. Des chars d'assaut, hein, clairement. Voilà. Donc là, on a trouvé le premier nid. Ah, on est au max qu'on puisse. C'est très bien parce qu'on va devoir bien développer le nid ici. Ok, alors. Tac. Artilleuse de nid. Alors, on va continuer sur le bois. Parce que c'est là, voilà, ça, la preuve, ça nous manque. Et ici, je vais faire une chambre en plus. Est-ce que j'ai le droit? Non, hein, je ne peux pas avoir plus de fourmis de mon côté. Et pourquoi je blinde la défense ici? Parce qu'on va recevoir plein d'attaques. Là, on se situe vraiment en zone d'attaque. Rassemblez-vous là. Agir 42, je peux faire quelque chose? Non. Traîtresse, ça on l'a. Traîtresse, ça m'intéresse pas, ok. Et ça, c'est pas intéressant non plus. On va donc partir vers le nid suivant. Ah non, on va pas partir vers le nid suivant, on va recevoir une attaque. Faire celle-ci. Faites feu. Ok, on a trouvé deux nids. C'est pas pour rien que je disais que ça commençait à se complexifier. Oh, un nid fortifié. Non, tu restes ici. Toi, tu te mets là. Chargé.
Parce qu'en fait, pour détruire les trucs, il faut d'abord détruire la défense. Vite, faites feu là-dessus. Maîtrisez-moi tout. Toi, va au nid, va te soigner. Venez faire feu là-dessus. La bataille est violente, elle fait rage. Viens ici, si c'est fini. Venez là. Non, peut-être plus ici. Donc ça vous permet de vous soigner. Alors on va commencer les défenses. On a plus assez. Préparez-vous. Dès qu'on a 60. Ou alors... Non. Chambre de récup, c'est quoi? Belle foi. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est celui-là. Donc ça, c'est 120. On va attendre. Venir construire ça au max. Approchez-vous, faites-vous soigner par le nid. Plus de stockage, chambre de récup. Et elle est où la bible? Non, c'est quoi? En supérieur. Oh, 120! C'est 120 aussi pour faire de la sylviculture. On n'a plus qu'à attendre, elles vont nous attaquer plusieurs fois. Et après on devra, peut-être en laissant une artilleuse ici, mais je pense qu'avec les artilleuses qui seront dans le nid ça devrait aller. Attaquer, il y en a un là et normalement il y en a un deuxième là. Et le... Il en reste un et puis seulement le quartier général. ...110, on y est presque. Ici, il reste, je pense qu'on peut aller attaquer le nid.
quelqu'un peut venir. C'était en arrière. Il fait un appui. Et plus d'appui encore. Alors ici. Tac, tac. Vous restez bien dans le fond. Ici. Ils vont nous contourner ? Non, ils s'en vont. Ok, on va commencer ici. Sylviculture. Ça coûte à chaque fois plus cher. Hop. Et là, avec le peu qu'on a, artilleuse. Déjà, commençons par les artilleuses. Ok, donc il n'y a pas un quatrième, il n'y en a que trois dans cette zone, très bien. Je pensais qu'il y en avait quatre. Mais vous inquiétez pas, je vais aller vérifier. Tant qu'on accumule du bois. Ah non, d'accord, il n'y en a pas. Il n'y en a que trois. Gardienne du nid. Je pense pas qu'on aura besoin de faire de... Si on regarde ici... Artilleuse vétérane. Ça c'est combien? C'est 180, on va pas le faire. On va passer à l'offensive pour le dernier secteur. Ça, je le savais. Très bien. Pas de soucis, elles vont lancer une attaque. Normalement, on est capable de défendre là-bas. Oui, je vois. Le nid, on résiste. Elle résiste moins. Parfait, c'est exactement ça que je voulais.
Va prendre le nid, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, tac. Ce serait bien d'avoir les artilleuses vétéranes. Je suis pas sûr qu'on pourra. Mais normalement... Normalement, on va lancer l'attaque finale ici. Ce sera un plus long épisode, mais en même temps, je le savais, hein, c'était prévu que ce soit long. Alors, ici. Les pucerons cachés. Vous, ici. Vous, ici. Et vous, en avant. Bye bye les termites. Toi, viens détruire le mur. Termite reculé. Faites feu, hein. Vas-y, toi aussi attaque. Vas-y, à l'attaque. Détruisez-moi le quartier général des termites. Voilà. Vive nous, vive les fourmis. Alors. Stratégie, ok. Et on va donc s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires. Ils seront lus et répondus avec un grand plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, mais également les autres séries, les autres fabuleuses séries qui sont sur la chaîne. Il y a beaucoup de contenu, donc forcément, vous trouverez d'autres choses qui vous plaisent. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.